Dans quelques jours, faire le tour de Paris en voiture sans rencontrer un seul feu rouge, ce ne sera plus un rêve. En effet, la construction du dernier tronçon du périphérique vient de s'achever. Si tout va comme on l'espère, les automobilistes pourront l'emprunter dès la semaine prochaine. Et je vous rappelle que hier à l'Élysée, en conseil, M. Pompidou avait souligné l'intérêt de cette œuvre dont il a dit qu'elle était colossale. Porte d'Anière, porte Dauphine, ce sont les 3 km qui manquaient au périphérique afin que l'anneau de béton entoure complètement la capitale. Sa construction est terminée, plus que quelques jours à attendre avant de pouvoir l'emprunter. Plusieurs ouvrages d'art ont été nécessaires, le plus important étant l'échangeur de la porte Maillot, au pied même du futur palais des congrès, encore en construction, et que l'on aperçoit sur cette image en haut et à gauche. De ce périphérique, Paris en avait bien besoin. Sa longueur totale, 35 km, la facture, 2 milliards de francs. C'est en 1960 que le premier tronçon a été inauguré à la hauteur de l'arrivée de l'autoroute du Sud. Cette portion ne comporte d'ailleurs que 3 voies. Les difficultés n'ont pas manqué. Passage au-dessus des voies ferrées, respecter le bois de Boulogne en passant en dessous d'un des lacs et en replantant aussi les arbres qui avaient été déracinés. Autre difficulté, la construction du Parc des Princes près de la porte de Saint-Cloud. Le talent des architectes s'imposait une nouvelle fois. Et il a fallu aussi faciliter la circulation aux principales portes de Paris grâce à de gigantesques échangeurs comme à la porte de Bercy. Une fois engagés, les automobilistes n'ont pas intérêt à s'être trompés de direction.